Être hué comme je suis hué à Beaublanc, c'est un honneur de ouf. J'adore. Shooter, sûr de lui, bien coiffé. C'est 4. Hargneux, combatif, dirty. Comme un Limougeot, vu comment on parle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une semaine avant le match. Moi, je baigne dedans depuis un petit moment. C'est-à-dire que même en cadet, en espoir, tout ça, c'est important, mine de rien, ce match. Et aujourd'hui, pouvoir être hué comme je suis hué à Beaublanc, c'est un honneur de ouf. J'adore. Pareil, tant qu'on le gagne, pour moi, ça me change rien. Buzzer, direct. Les frissons. Moi, c'est le 100e classico. J'avais pas un énorme rôle à l'époque dans l'équipe, mais comme c'était les 100e et que c'était au Palais, il y avait une ferveur encore plus grande que d'habitude. Avec des tifos, tout ça, c'était vraiment chouette. J'avais pu rentrer un petit peu, parce qu'à l'époque, je rentrais pas beaucoup, j'avais mis un 3 points. À l'époque, je mettais pas beaucoup de 3 points. C'était vraiment un bon souvenir. Non, mais... Ah, ouais, ok. C'est bon. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Un élan. Un élan ? C'est la zone à 3 points, pour ceux qui n'ont pas compris. Je sais même pas comment l'écrit. Bon. C'est bon ? Excellent ça. Râleur. Je t'entends hein, sur le terrain. Il n'y a que ça, ici. J'ai pas vu un mec qui râle. Pas. C'est vrai. Il tiendrait un resto. Mais tu vois, un resto un peu classe, tu vois. La bonne bouffe, du bon vin. J'adorerais. Ah putain, je suis bon. Un chasseur. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Avec un arc, des flèches. Ah, forêt Pyrénées. Des flèches en plastique, parce que je tue pas les animaux. Pousser dans le dos pendant les matchs, c'est relou. Râler quand je le pousse dans le dos pendant les matchs. Princesse. Je sais pas. Oh, ça va, j'aime bien. Tête de gland. Peu de gens qui apprécient ça. Je sais pas, moi. Ouais. J'espère pour lui que c'est lui. Je pense que j'ai un peu plus de chance à ce niveau-là. Je la sentais venir, celle-là. Si je perds, j'arrête ma carrière. Il va falloir filmer ça.